C'est le moment des vendanges, une période très intense pour les vignerons de l'association Verzenay Grand Cru de Champagne. On les rejoint dans les vignes à Verzenay, où ils sont en train de cueillir quelques grappes pour juger la qualité de la récolte 2015. En Champagne, la vendange se fait entièrement à la main. Les vendangeurs peuvent très bien s'amuser, mais le travail est dur et demande un certain savoir-faire et beaucoup d'attention. Voyons si on peut avoir quelques astuces sur la bonne technique. Voilà, il faut les poser très délicatement, car sinon la couleur du pinot noir va passer dans le jus. Il faut que la grappe reste entière jusqu'à temps d'arriver dans le pressoir. C'est très 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 important pour avoir un très beau jus derrière. Voilà. Bon, il est où le porteur? Ah, ouais! Panier! Oh, porteur! Panier! Oh, la belle souris! Oh, la belle souris! Pas la qualité, il suffit de regarder. Pinot noir de Verzenay, Grand Cru. Situé entre le phare et le moulin, on peut pas mieux. On a le droit de manger quelques raisins pendant la cueillette. Absolument. Ils sont excellents. Je pense que ça fera un très bon millésime. Ouais, c'est une belle année. Belle qualité. Il a été constaté que sur Verzenay, on avait presque un point de plus en acidité que sur d'autres secteurs. De mémoire, je n'ai jamais vu un degré aussi élevé en moyenne. Tu vas chercher le chenillard, porteur. Panier. Bon, c'est l'heure du casse-croûte. Allez, ah, c'est le casse-croûte. Allez, on va. C'est bon, je vais faire un panier, un beau panier exprès pour cacher la lumière. Allez, 2015, juste au milieu du passage à l'UNESCO, passage à l'UNESCO, juste au milieu du siècle. Ça fait peut-être pas mal de rentrer une paire en dessous dans le... Donc rendez-vous au mois d'avril pour la dégustation des vins clairs. Au vin clair 2015. Et vive les pinots noirs de Verzenay. Vive la Verzenay, vive les bouquins, sacré Verzenay, il n'en est qu'un. Vive le Verzenay, vive les bouquins, sacré Verzenay, il n'en est qu'un. Ah, tu as oublié de ça.